Donc, Triomphe, la discographie en bref, et pour sélectionner le meilleur de Triomphe et que vous n'ayez pas à vous taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 albums, on va essayer de faire ça très court, en genre 10 minutes. Donc, Triomphe, c'est un trio canadien de rock, hard rock, du rock hard, je dirais, parce que c'est pas vraiment du gros hard, c'est. Donc, dans chaque donc la particularité, c'est qu'ils sont un trio déjà, et le chanteur Rick Emmett, qui est chanteur-guitariste et qui est vraiment brillant dans les deux domaines. Et ils ont démarré en 1975. Donc, ils sortent un album, premier album. Non, premier album, je l'ai pas. Donc, voilà. Il s'appelle Triomphe et il a été renommé après In the Beginning. C'est les prémices, c'est un groupe de rock hard sympa, c'est sympa, hein, ça casse pas les oreilles, les chansons sont bien écrites, ils sont deux à chanter, donc Rick Emmett, le guitariste, et Gil Moore, le batteur, qui chante en chant principal. Suivant les morceaux, et Mike Levin, qui est le bassiste, qui chante pas. Ensuite sort un deuxième album en 77 qui s'appelle Rock'n'Roll Machine et qui a été réédité sous cette forme avec en fait des morceaux de Rock'n'Roll Machine et des morceaux de In the Beginning du premier album. Moi j'ai que cette version-là. Et alors là c'est bon, hein. De toute façon, avec Triomphe, vous ne pouvez pas vous tromper. Tous les albums sont bien. Il n'y a pas de mauvais, vraiment mauvais albums. Il y en a des un peu moins bons et des un peu meilleurs. Donc, à partir de là, Rock'n'Roll Machine, cette version-là, très bien, j'adore le son. Mais je ne commencerai pas par celui-là. Voilà, donc on passe au troisième, qui s'appelle Just a Game. Juste un jeu, et je commencerai pas non plus par celui-là. Il y a des bons passages. Il y a un tube qui s'appelle Lay It on the Line. C'est la rythmique que je vous ai jouée juste avant, qui est très bien. Il y a une version live. Alors je sais pas de quand elle date. Je pense des années 90 avec un deuxième guitariste qu'on trouve sur Internet, qui est super bien, avec une énergie terrible. Donc de toute façon, Triomphe, bonne énergie, très bon groupe. Donc Just a Game. Non, on commence pas par celui-là. Après, Progression of Power. Progression of Power. Alors là, c'est pareil. Là, il y a du très très bon. Il y a des morceaux superbes. In the Night, par exemple, où ils chantent, ils montent dans les aigus. Le Rick Emmett, super. Alors ne pas confondre avec Kirk Hammett. Moi, je me rappelle au début de Metallica. Moi, j'écoutais Triomphe et Metallica, c'était pas trop mon truc. Et les mecs, ils mettaient Kirk Hammett, Kirk Hammett. Et moi, j'étais sur Rick Emmett. Et quand on compare le jeu de chaque guitariste, c'est pas du tout le même. Mais Rick Emmett, en solo, c'est quelque chose. Hein. Vraiment un super guitariste. Donc, un très bon album. Si j'avais une note à mettre, je dirais du 7 sur 10. Ce qui est très bon, hein, parce que moi, je mets des notes raides. 6,5, 7 sur 10. Et là, on arrive au top, là. Enfin, c'est un des meilleurs, Allied Forces, les forces alliées, ça, super album, il y a des super chansons, on ne sait pas si c'est du hard prog ou du hard rock, c'est quand même assez hard, et les chansons sont super bien écrites, il y a des morceaux plus calmes, franchement, c'est un super disque de hard, ça, celui-là, vous démarrez par ça, vous avez tout bon, Allied Forces, super album. Là, je mets du 8 là-haut à ceux qui suivent de toute façon. Celui-là, particulièrement bien. Ensuite, là, on est en 83, 1983. Never Surrender, super aussi. Super album, peut-être plus hard en fait. Plus hard, ouais, hard rock, la pochette est vraiment sympa. J'aime bien
les arrondis là, les trucs qui sont arrondis, je trouve c'est un peu classe quoi. Donc très très bon, Never Surrender avec un morceau qui n'a pas eu vraiment du succès. Ils ont eu quelques succès, tout quasiment. Il y a les trois quarts de leurs disques qui sont disques d'or hein, quand même, ils ont vendu. Et Writing on the Wall, Writing on the Wall, la mélodie est super. Et dans cet album, il y a quand même un peu de déchets. Peut-être un peu plus que sur l'album précédent, Allied Forces. Donc je conseillerais quand même Allied Forces, mais celui-là est très bien et le son est un peu meilleur. Il est un peu plus classe, on va dire. Après, arrive. Alors ça, c'est plus FM, c'est difficile. Il y a un peu plus de travail sur les voix, notamment un espèce de canon, je ne sais plus, Time Cannon, qui est suivi par le super morceau Killing Time. Là, il y a Follow Your Heart qui avait été un succès, super album, ça vous pouvez démarrer par celui-là aussi. Bon, c'est leur plus belle pochette, hein. Donc c'est Thunder Seven, très très bon. Donc là, je vais les mettre de côté, ceux par lesquels il faut démarrer. Ensuite, ils ont sorti un petit live, un double live, qui est sorti, à ma connaissance, en même temps que le live de Maiden, Live After Death. Il me semble que j'avais été à la Fnac et il y avait les deux lives, et il y avait un troisième truc, je ne savais pas quoi prendre, j'ai tout pris. Bon, le live, dispensable. Franchement, Triumph, ils exploitent bien leurs thèmes musicaux durant les albums en studio. Donc ça, le live, c'est pas indispensable. Par contre, c'est sympa de les voir en concert, en vidéo. Vous trouverez, ils ont joué au festival California Jam, je crois, au début. Et puis, il y a un truc au Sweden Rock Festival aussi qui est sorti après une vidéo. Et je crois que je l'ai par là, attendez, je vous montre ça. Ils avaient sorti à la fin un Greatest Hits, et je crois enfin, il y a un DVD dedans, et de mémoire, c'était un concert aussi. Voilà, donc bon, des concerts, vous trouvez. Ensuite, ils sortent The Sport of Kings, alors qu'un peu moins bon. Là, ils redescendent un peu, c'est un peu mollasson, les compos sont pas du meilleur cru, donc plutôt à éviter. C'est un de leurs moins bons albums, on va dire, avec la formation du trio d'origine. Parce que après, et enfin Surveillance. Alors là, super. Franchement, on n'est plus trop dans le truc. C'est vachement après. Il sort en 87. Et moi, je trouve que les chansons sont super. Il y a des passages vraiment bien. Et il y a notamment Never Say Headed for Nowhere. Never Say Never, c'était le tube dessus aussi. Il y a Headed for Nowhere avec Steve Morse, une espèce de duo guitare Rick Emmett Steve Morse qui vaut vraiment le coup, qui est vraiment un bon morceau de hard quoi, du bon hard. Je sais pas si vous aimez Michael Schenker, Vandenberg, tous ces groupes des années 80. Franchement, Triumph, ils font partie du trio de tête largement. Hein. En plus, avec un peu plus de personnalité, c'est du bon rock à tendance hard. Vraiment super, donc Surveillance, vous pouvez y aller. Donc moi, je vous conseille pour commencer, hop, je fais vite, Surveillance, mais surtout, ou Thunder Seven, ou Never Surrender, mais j'ai une petite préférence pour Allied Forces. Et ensuite, à la fin, en 92, Rick Emmett est parti, ils ont trouvé un autre guitariste qui s'appelle, attendez, je regarde vite fait, Phil X. Ouais, ça doit être ça. Phil Xenidis, qui était le guitariste d'Aldo Nova et de Frozen Ghost, ils ont fait un album qui s'appelle Age of Excess. Alors, c'est du hard, ça perd un peu de sa valeur, vu qu'il n'y a plus Rick Emmett, on va dire c'est quand même le leader, c'est lui qu'on voit le plus, le chanteur et guitariste. Et du coup, je crois que c'est le batteur qui chante dans le dernier album, enfin dans Age of Excess. Et bon. Il n'y a qu'un chanteur, donc c'est moins bon. Par contre, l'autre à la guitare, c'est un tueur aussi. Mais Rick Emmett, il a sa patte et tout. Donc, je vous conseille quand même. Bon, ça m'embête d'en sélectionner qu'un parce que vraiment, les trois là, les quatre là, ils sont super. Mais je vous dis, Allied Forces, vous écoutez du hard. Achetez Allied Forces. Vous allez prendre peut-être pas une claque, mais vous allez vraiment. Cet album est vraiment superbe. À bientôt, les amis. Hey, j'ai fait moins de 10 minutes. Bye!